pas vrai. Oui, si, c'est vrai. Oh, 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 c'est la tuile. Oui, ça va, mais laissez-moi encore un petit moment. Mais de la viande froide, mais surtout pas de la viande froide, mais vous voulez me faire mourir ou quoi? Ça va, mais c'est pas la peine de t'énerver. Mais je ne m'énerve pas. Et qu'est-ce que je vais faire maintenant? Entrez. Comment veux-tu que je sors qui est assis sur la porte? Hein? Entrez. Je te répète que je suis assis. Parce que t'es vivant! Évite ta mort, du con! Si je te cours, c'est que je suis encore de ce monde! Waouh! Chérie, tu vas bien? Non, attendez encore un petit moment, mes nerfs ne sont pas tombés! Alors on peut entrer? Non, attendez! Ah. Excusez-moi! Mais deux jours dans la même position, ça laisse des traces! Hein. Dis-moi qui c'est qui a mis le cadenas que je te trucide! C'est Catherine et tu lui feras rien du tout. La belle-mère, ça suffit. Et dis donc, comment t'as fait pendant trois jours sans becter, là? Alors là, t'en fais pas, j'étais pas en peine. En entrée, j'ai avalé trois pages de l'avocat du diable. Et ensuite, j'ai ingurgité le premier acte du dindon de Fédon. Et puis en dessert. Et j'ai pas trouvé de dessert. Putain, c'est une sacrée librairie là de dingue. Ben dis donc, je ne savais pas si cultivé. Et t'as pas eu soif? Alors là, pas de problème. Pour étancher ma soif, j'ai absorbé l'intégrale d'histoire d'eau. Moins fort, moins fort. Oh là là. Et dis donc, tu ne vas pas rester comme ça pendant 6 mois? Et d'abord, tu me files de la bouffe. Parce que les gâteaux apéro, il y a un moment qu'ils sont digérés, et surtout... Tu me ramènes à boire. D'accord. Mais avant, tu vas filer par le jardin d'agrément, là. Et t'iras te mettre dans le cabanon au fond. Hein. Et j'irai te porter la bouffe et à boire en temps voulu. De toute façon, le petit cabanon, là, il n'y a que moi qui y va. Et dis donc, tu peux essayer de te redresser, là? T'es marrant, je peux pas. Ah, tu peux pas?